Oh, would you do me a favor? Could you turn on the it's boiling? That's curious. I'll edit that part out and I'll put it right at the beginning. Okay, perfect. Perfect. When I never feel bad, come on, yeah. Alors, ce soir, parce qu'il est comme 8 heures le soir de mon oui, côté, puis vous allez écouter ça à un autre moment donné, peut-être qu'il va être 8 heures du matin ou 3 heures du matin. Je suis en conversation avec Rosalie Lessard, YouTubeuse, Instagrammeuse, créatrice de contenu par excellence, et une personne que je connais de, ben, je ne veux pas dire personnellement, intimement, là, comme je ne veux pas prétendre ça du tout, mais je suis super contente de pouvoir lui poser quelques questions ce soir. Mais je suis contente d'être là! Merci d'être parmi nous. Ça fait plaisir. OK, je vais expliquer pourquoi comme je t'ai demandé à toi, comme c'était un peu un coup de tête, mais en même temps, c'était, je voulais toujours faire le genre de collab, interviewer quelqu'un, un YouTuber ou quelqu'un de moyennement connu, pour savoir leur parcours à l'école. Je me suis dit, ça serait le fun d'avoir comme côté conversation avec, pour savoir, parce que tu ne dis pas là, à un moment donné à l'école, dans un cours de maths, aujourd'hui, je vais devenir YouTuber. Ça ne commence pas de même. Alors, quand tu étais à l'école, au secondaire, quel genre d'élève étais-tu? Puis qu'est-ce que tu voulais faire comme carrière? Comme qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie? Là? Quand tu étais dans ton cours de maths, Rosalie Lessard, qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie, toi? Mais si on reste plus sur le secondaire, quel genre d'élève j'étais? bonne question. Ouais. En fait, en secondaire 1, j'étais une élève qui se cherchait beaucoup parce que on passait de primaire où toutes tes affaires étaient dans ton bureau. C'était relativement facile, la vie scolaire. Je me cherchais beaucoup. Tu sais, j'avais de la misère avec l'organisation. J'avais de la misère. C'est vraiment une question d'organisation, surtout. Tu sais, j'arrivais dans mes cours, j'avais pas mes souliers, ou parce qu'on avait un uniforme, puis là, j'avais oublié mes souliers à la maison, puis là, j'avais pas fait mon devoir, puis là, j'avais oublié mon cahier d'histoire, puis là, nanana. Moi, dans ma tête, il y avait bien trop de choses qui se passaient en même temps, fait que je trouvais ça bien dur, puis là, après ça, j'allais dans une super bonne école, là, j'allais à Villa Maria, puis malheureusement, ils m'ont pas gardée à cause de ce manque d'organisation-là, justement. Mais c'était pas comme, en tout cas, c'était pas un, tu sais, j'avais des points de mérite, là, tu sais, on avait un système de points de mérite. On en avait 15, puis j'en avais genre 45, mais ils me gardaient parce que c'était pas des points de mérite de comportement, c'était vraiment juste genre, Rosalie a oublié ses souliers, là, genre, tu sais. Fait que, ils m'ont gardé jusqu'à la fin. Si c'était un film de Harry Potter, là, your house would have lost, like, by, like, ouais, the first week. Ça vaut ça. OK. En plus, je pense que je suis Hufflepuff, là, puis... OK, ouais, ça dit tout. Mais... That's it all. Mais c'est ça. Puis après ça, ben j'ai changé d'école. Je suis allée à une autre école qui s'appelait Collège Rachel, qui était comme une nouvelle école qui venait d'ouvrir dans le coin du métro Rachel, là. Fait que c'était... voyons. Comment ça s'appelle ce quartier-là? Là, Saint-Viateur. Ouais, non, l'autre. Parc Extension? Non, genre l'autre. Mile End. Mile End, c'est dans le Mile End. Géographie de Montréal, let's go. Ouais. Puis, cette école-là, c'était vraiment un tas de marde. C'était comme une école qui avait été organisée sur un coin de table. T'avais comme un genre de gym qui était comme la salle commune, qui était comme la cafe. C'était n'importe quoi pour vrai. C'était comme une école qui avait ouvert sur le side parce qu'il y avait comme trop d'étudiants puis pas assez d'école. Ouais. Fait que finalement, au milieu de l'année, ils se sont rendus compte qu'il y avait trop d'élèves. Fait qu'ils ont commencé à faire un clean out. Fait que à chaque comme jour, il y avait une personne de notre classe qui partait puis qui revenait jamais. Fait que à un moment donné, c'était mon tour.
Fait qu'ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit « ramasse tes affaires », puis ça, c'est une true story. Ils m'ont dit « ramasse tes affaires », puis ils m'ont donné une boîte. Ils m'ont fait vider mon casier. Puis ils étaient comme « bye bye ». J'étais comme « je peux-tu appeler ma mère, genre? Je peux-tu comme... » Puis ma mère est en... Parce que... Parce qu'il il avait pas donné le temps de trouver une autre école, rien. C'était juste comme « tiens, arrange-toi avec tes troubles ». Fait que là, finalement, je suis allée à Saint-Luc, qui est une école plus dans le coin de Côte-des-Neiges. C'était quand même pas pire. Ça, c'est, si je me trompe pas, c'est sur la rue Côte-Saint-Luc, près de Randall. Puis j'habitais juste à côté, puis j'ai fait mon stage là, dans le temps! Dans le temps, oui! C'était une école anglophone quand t'as fait ton stage? Non, c'était très francophone. Ah ouais, okay. Très francophone. Parce que je sais qu'avant, ce bâtiment-là, c'était une autre école anglophone. En tout cas, ben, fait que quand je suis arrivée à cette école-là, c'était un petit peu plus wild, mettons, c'est ça, là, à plusieurs niveaux. Fait que là, j'ai commencé un peu à sidetrack de l'école. J'ai commencé à prendre des mauvaises décisions, à me tenir avec les mauvaises personnes. Puis finalement, j'ai dû changer d'école parce que je me faisais trop... bully à cette école, à cette école-là. Oh! Ouais, principalement parce que j'étais québécoise, funny enough. Ben, c'est la majorité, la minorité ethnique, c'était une école très c'est vraiment multiethnique, puis c'est parce que au secondaire, tu sais, quand c'est des kids, tu sais, des ados, c'est peu importe c'est quoi la minorité, ça va être eux qui vont être les targets, c'est peu importe c'est quoi. Ouais, ouais. Fait que ben là, à cette école-là, ça a tombé que j'étais la majorité. Tu sais, je faisais rire de moi à cause de comment je parlais, mon accent québécois, comment je m'habillais. Ouais, c'était vraiment quelque chose. Puis là, finalement, ma mère, elle voulait mettre dans une super bonne école là, qui s'appelle Marguerite Bourgeois, je pense. Puis là, j'arrive là-bas, une école de filles full axée sur l'art, puis tout ça, ça aurait full collé avec moi. Je suis sûre que ça aurait été la meilleure décision au monde. Mais moi, je voulais absolument, absolument aller à Monseigneur Richard parce que mes amis puis mon chum allaient à cette école-là. C'est pas tellement une bonne école. Fait que finalement, vu que ma mère avait un peu pitié de moi parce que j'avais tellement changé d'école puis j'avais tellement dû me refaire des amis souvent, elle était comme « OK, fine, on va l'inscrire là ». Puis j'étais en secondaire 3 dans ce temps-là. Puis en arrivant à l'école, ils m'ont mis en deux. Oh! Ouais. Oh! Ils ont pris la décision de me mettre en deux, puis c'était pas dans le même bâtiment, le 1, 2 et 3, 4, 5. Fait que finalement, je me retrouvais dans une école pourrie, pas d'amis. yeah! Fait que, ouais. Puis après ça, cette année-là, l'année où j'ai redoublé mon secondaire 2, je suis allée en centre jeunesse. Oh! Puis finalement, je suis allée à l'école au centre pendant une bonne partie de l'année scolaire. Puis j'ai eu les meilleures notes de toute ma vie. Surprising enough. Yes! Ouais. Yes! Parce que, ben, out of the ashes, the phoenix rises. Mais oui, parce que tu sais, je pouvais pas niaiser avec du monde. C'était super strict, super carré. Il fallait que je sois assis puis j'écoute. Fait que c'est ça, j'ai eu des très, très bonnes notes. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aimer les mathématiques parce que j'ai vraiment tout compris la matière. Puis après ça, dans le reste de ma carrière scolaire, j'ai vraiment beaucoup aimé les maths. Fait que finalement, je suis revenue à Monseigneur Richard. Juste un peu, tu sais, il me restait peut-être 3 mois d'école à l'école régulière. Je suis retournée à Monseigneur Richard. Puis après ça, je suis... aller à l'autre bâtiment, donc la grande école en secondaire 3. Ouais. Puis j'ai arrêté d'aller à l'école autour du temps des fêtes, je me rappelle plus trop quand. J'avais même pas 16 ans, j'avais 15 ans. Puis mon directeur d'école m'a dit, c'était un décrocheur, mon directeur. En plus! Ouais, puis il était comme, sérieux, je sais que même si tu vas plus à l'école, je sens que tu vas réussir. Tu sais, t'es comme quelqu'un qui a de la drive. Je me sens confortable à comme te laisser pas aller à l'école. Fait que j'ai arrêté l'école cette année-là. J'ai commencé à travailler. J'ai eu plein toutes sortes de jobs, les plus loufoques les unes que les autres.
Puis après ça, après l'été, j'ai recommencé le secondaire aux adultes. Puis ça a vraiment été comme le mieux là, de toutes les choses que j'ai fait. Fait que c'est vraiment, c'est pour ceux qui connaissent pas l'école aux adultes, c'est vraiment t'es assis avec ton cahier, puis tu fais tes affaires, t'es dans une classe où personne parle, puis quand t'as une question, mais tu vas voir le professeur, tu poses tes questions au professeur. Fait que ça te permet d'aller à ton rythme. Si là, cette journée-là, ça te tente pas, ben ça te tente pas. Fait que là, tu perds pas de matière. Fait qu'il y en a qui préfèrent cette formule d'apprentissage-là. Moi, ça collait plus avec moi. Puis finalement, à la fin, j'ai fait formation à distance assistée. Fait que j'ai fait FADA, qui est vraiment, tu fais tes cahiers chez vous, puis tu vas faire tes examens à l'école. Fait que j'ai fini comme ça. C'est super intéressant de savoir que tu as passé à travers ce parcours-là. Oui. Puis j'ai un peu touché à tout. Ouais, t'as passé par comme l'école privée Villa Maria. Ouais. À Monseigneur Richard. mais ouais. Quand t'étais au secondaire, dans ta tête, qu'est-ce que t'avais envie de faire de ta vie? Ça a varié vraiment avec les années. Au début, j'ai toujours voulu avoir un salon d'esthétique. Fait que je voulais vraiment que dans le salon d'esthétique, ça touche à tout. Je voulais vraiment de la coiffure, mais aussi du maquillage, des ongles, des soins de la peau. Je voulais vraiment comme la totale. Puis je voulais avoir j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai jamais dans ma vie voulu travailler pour quelqu'un. Fait que je voulais vraiment mon salon d'esthétique. Puis finalement, mon premier cours professionnel que j'ai fait, c'était en maquillage. Et j'ai une formation comme maquilleuse professionnelle et maquilleuse télé et maquilleuse photo. Puis j'ai travaillé là-dedans. T'as pas aussi une formation en cuisine? Oui, mais ça, je l'ai fait après. Ah, OK. Ouais. En fait, là, quand nous, on s'est connus, c'est ça qui est drôle. Okay. C'est que quand nous, on s'est connus, moi, j'allais à l'école des adultes juste à côté de l'école. OK. Ouais. Où c'est qu'il allait. Ouais. Fait que quand moi, j'étais en pause de dîner, ben j'allais le voir au dîner. Tu sais? Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça l'affaire. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est quand même Juste pour expliquer aux personnes qui m'écoutent, I used to have much longer hair, and this lovely lady coiffed my hair, not once, but twice. Yes. I didn't make this up. Mais ça fait que entre ton désir de vouloir être propriétaire d'un centre d'esthétique, mm-hmm. puis cuisine ITHQ, si je ne me trompe pas, ouais. C'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai travaillé en maquillage, fait que ça déjà, ça m'a donné l'expérience de travail. C'était quoi vraiment travailler en maquillage? J'étais freelance puis je travaillais souvent dans un studio qui s'appelle Caroline Théoret, où on faisait beaucoup de maquillage de mariage. Fait que ça m'a donné une bonne idée de c'était quoi la job. Puis c'était pas trop pour moi, surtout l'ambiance, l'environnement, beauté, là, c'était pas vraiment mon truc. Fait que finalement, j'ai juste arrêté de faire ça. Puis j'ai continué à travailler en restauration parce que je travaille en restauration depuis que j'ai 16 ans. Mais je ne travaille plus en restauration maintenant, mais j'ai travaillé 10 ans en restauration. Fait que j'ai juste continué à travailler en restauration en attendant de voir exactement ce que je voulais faire. Là, à un moment donné, j'ai pensé à courtier immobilier. Finalement, j'en ai parlé avec des gens que je connaissais qui faisaient ça, puis ils étaient comme « Tu serais bonne, mais on dirait que je te vois plus dans quelque chose d'artistique, tout ça. » Fait que là, j'étais comme « OK. » Puis j'en ai parlé avec mon ex, puis il était comme « Tu sais, pour de vrai, là, tout ce que tu fais, puis tout ce qui t'intéresse, puis tout ce que tu parles, puis dans ton free time, qu'est-ce que tu t'intéresses, c'est la bouffe, tu sais. » Fait que là, je suis comme « Ouais, mais moi, je sais c'est quoi travailler dans un restaurant, là. C'est de l'esclavage. » Fait que j'étais comme, pas sûre que ça me tente. Mais finalement, je me suis dit, il y a d'autres choses à faire avec un cours en cuisine professionnelle. Il y a plusieurs trucs que tu peux faire. Puis là, j'avais l'idée de me partir un service traiteur commercial. Fait qu'il allait desservir dans les zones où il n'y a pas beaucoup d'options pour manger à part McDo et Tim Hortons. Puis leur apporter des lunchs déjà faits au bureau. Ça, c'était avant Cook It, puis avant Miss Fresh, puis tout ça. Fait que j'avais quelque chose.
C'est quand même d'ouvrage. Mon mari, ouais, qui a une formation en cuisine professionnelle, en cuisine d'établissement, il a essayé de partir sa propre compagnie traiteur, puis c'est beaucoup de travail. Puis quand t'es pas habitué à passer, quoi, 10-12 heures debout par jour, c'est tu sais, le monde se font, les gens se font une idée. It's like, oh yeah, I'm gonna cater, I'm gonna do this, I'm gonna do that. And then tu fais face à la réalité, puis c'est pas tout ce que tu pensais. Non, vraiment, vraiment pas. Mais c'est pas chic, là. C'est de la job de... Ouais. Tu drilles, puis... Mais moi, tu sais, moi, je suis habituée de travailler justement 10-12 heures sur mes pieds, puis je sais c'est quoi, tu sais, faire de la bouffe en grande quantité, mais je me voyais plus avoir un service traiteur. J'aurais jamais voulu avoir un restaurant, là. Avoir un restaurant, ouais, c'est genre la dernière chose que je voudrais. Puis j'aurais jamais travaillé en resto non plus, parce que t'as le côté créatif, t'as le côté le fun, mais t'as aussi le côté coup de feu, puis le côté qui t'a mal partout. Tu fais pas beaucoup d'argent, to be honest. Puis c'est vraiment rough. Faut vraiment que ça soit ta passion. Puis il y en a qui le font, puis qui adorent ça. J'en ai un ami qui adore ça, mais j'ai l'impression que, à moins que tu deviennes chef, c'est comme c'est passager. Tu peux pas, ouais, continuer à faire ça tout le temps, puis juste être quelqu'un sur la ligne. Fait que finalement, je suis allée faire mon cours de cuisine. C'était comme la plus belle chose que j'ai faite de toute ma vie. J'ai jamais eu l'impression d'être à l'école. Jamais. Là. C'était juste du bonbon tous les jours, tout ce que j'apprenais. Puis avant que je commence mon cours, il y avait un de mes amis qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne pars pas une chaîne YouTube de bouffe? » Parce que j'avais plusieurs amis qui étaient YouTubers. Dans le temps, c'était un petit peu moins gros, les YouTubers au Québec. Ouais. Mais il était comme, tu sais, il n'y a personne au Québec qui fait ça. Ce serait vraiment intéressant d'avoir quelqu'un au Québec qui fait de la cuisine. Puis j'étais comme, non, je connais rien à YouTube. Moi, j'écoutais pas YouTube. Je connais rien à la caméra. Je connais rien au montage. Tu sais, fait que c'était vraiment pas ma branche. Puis finalement, ça faisait peut-être, je sais pas, comme un an que j'allais à l'école sur un programme de 3 ans. Mm-hmm. Puis j'étais comme... tu sais, parce que j'apprenais tellement de choses, puis j'étais comme, j'aurais tellement de choses à dire. Fait que j'étais comme, tu sais, je pourrais l'essayer, j'ai rien à perdre. Puis mon cousin, il sortait avec une fille qui venait de finir l'école à l'Institut Grasset. C'est une école de cinéma. Puis elle cherchait un projet, fait que là, j'étais comme, ben écoute, si jamais ça tente d'embarquer là-dedans, tu sais, c'est pas très time consuming, puis tu sais, on a du fun, puis on mange de la bouffe, puis c'est ça. Fait que finalement, on a fait notre premier épisode. C'était... Dans le temps, j'étais bien fière, là. Maintenant, mais tu sais, c'est pas trop qu'est-ce que tu fais, fait que tu y vas à tâtons. Puis toi, tu t'es lancée là-dedans. Est-ce que tu avais une vision ultime ou tu as fait ça juste comme sur un coup de tête? Est-ce que tu savais exactement où tu t'en allais avec cette chaîne-là? Vraiment pas. J'avais aucune idée. Je le faisais vraiment pour le fun. Je le faisais vraiment parce que ça me tentait justement de prendre les choses que j'avais appris en classe et de faire des vidéos, le fun à faire avec ça sur Internet pour que le monde essaye de refaire ce que je faisais. Mais au début, c'était vraiment axé émission de cuisine, mais sur le web. Fait que c'était vraiment comment faire des recettes de A à Z. C'était vraiment très structuré comme une émission de cuisine télé. Puis au fur et à mesure, ça a pris une autre tournure. Mais quand je le faisais au début, c'était vraiment juste pour le fun. Puis avec ce module-là, puis quand ça a commencé à fonctionner, j'ai comme vu, OK, le monde sont plus intéressés par ça. Fait que là, j'ai changé le contenu pour ce que les gens aimaient le plus en faisant des trucs que moi, j'aimais faire quand même. Fait que là, on s'est comme tout adapté ensemble en même temps là-dessus. Puis finalement, j'ai comme trouvé mon identité. Puis j'ai continué à le faire jusqu'à aujourd'hui. Puis là, en ce moment, je prends une pause parce que justement, je l'ai faite pendant 5 ans, back-à-back, à chaque semaine, dans la dernière année, plus à chaque mois. Là. Mais c'est beaucoup de travail, puis ça prend énormément de passion. Si t'as pas de passion pour ça, ça marche pas. Il faut que tu sois motivé, passionné, parce que c'est des heures de mongol, c'est de la job de fou. Fait quoi, il faut vraiment, vraiment, vraiment être motivé. Quand on pense à certains YouTubers qui mettent du contenu à tous les jours,
Ouais. C'est hallucinant. Tu te dis qu'est-ce qu'ils font dans leur journée. Là, c'est... Ils ont des teams, là. Ils ont des teams de montage. Ouais. Mais tu sais, il y a des Mongols comme David Dobrik qui montre ses photos lui-même. Tu sais, il fait pas. Tu sais, mais il est dans les. Il fait pas toutes ses idées de contenu, mais tu sais, il est dans la pièce pour le brainstorm, puis tu sais, il est vraiment investi. Fait que lui aussi, là, c'est de la job de malade mental, puis il sort 3 vidéos par semaine. Moi, à la limite, je trouve même pas ça sain, là. Je sais pas comment quelqu'un peut continuer cette cadence-là pendant des années, là. C'est ça, puis c'est drôle, j'en parlais lors de ma dernière vidéo que j'ai, je pense que c'était vendredi. Je ne sais pas exactement quand je l'avais sorti, puis j'ai dit que peut-être, oui, c'est important d'être créatif puis de produire du contenu, mais c'est aussi important de prendre un break puis de se dire, you know what, I'm just going to take a break just mm-hmm. to get the juices flowing again. Mm-hmm. Parce que sinon, tu te répètes, le contenu n'a pas... et pas authentique, et c'est pas signifiant, it's not meaningful anymore, you're just doing it just to go through the motions, and if you end up being creative like that, yeah, that's like, I don't find that it's, it has that right vibe. Ouais. Ben, okay. moi aussi, je suis d'accord, puis je pense que j'ai arrêté juste avant de justement switcher pour je me force, je me tords un bras, puis là, je fais du contenu que j'ai pas vraiment le goût de faire, puis, tu sais, le love est pas là. J'ai l'impression que j'ai juste arrêté juste avant ça. Puis, je me dis, je recommencerai juste si, justement, je me sens plus de même. Ouais. Fait que je m'oblige pas à recommencer à m'amener, mais je me dis pas que je recommencerai, que j'en ferai plus jamais. Je suis vraiment comme dans un in-between de juste, j'attends de voir comment je me sens, puis si à un moment donné, ça me tente d'en refaire, j'en refais, puis si ça me tente jamais, ben j'en fais plus. T'as mentionné tantôt un directeur qui était lui-même décrocheur. Mm-hmm. Puis ça, comme je trouve ça comme fantastique. C'est tellement rare qu'on entend parler de quelqu'un qui a été dans la même position que tu étais. Puis moi, je me demandais, à part de ce directeur-là qui a dit « Non, sais-tu quoi, t'as de l'ambition, t'as de la drive, vas-y. » Est-ce que t'as eu d'autres profs ou d'autres personnes... Peut-être pas au début de ton secondaire. Est-ce que tu avais d'autres personnes qui t'ont appuyé, qui t'ont conseillé dans le système scolaire ou t'as donné comme un bon commentaire puis ça a resté en toi pendant comme bien longtemps? Pour de vrai, je me rappelle presque rien de secondaire. Je me rappelle pas tant de mes profs. Je me rappelle pas tant de... Je me rappelle pas de grand-chose. Puis je pense que je m'en rappelle pas parce que c'était comme... Il y a comme pas tant de positif que ça là-dedans. Tu sais, je me rappelle, mettons, à Villa-Maria, c'est vraiment une excellente école, là, sincèrement. Je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu faire mon secondaire 1 là-bas. J'aurais adoré pouvoir rester là-bas. Tu sais, la seule chose que je leur reproche, justement, ça va être d'avoir vu un élève à problème, puis au lieu de l'aider... Ben, de l'envoyer dans un système scolaire que eux savent qui est moins efficace, donc que je vais encore moins réussir, au lieu de me prendre sous leur aile puis vraiment essayer de m'aider justement avec mes problèmes. Ça, j'ai trouvé ça cheap, mais c'était vraiment une bonne école. Les profs, excellents, comme toute l'ambiance de vie, les projets. Je faisais du théâtre, je faisais de la musique, j'apprenais 4 langues en même temps. Genre, c'était vraiment... Ouais, français, anglais, espagnol, latin... Oh, c'est vrai! Il enseignait encore le latin! Pour l'étymologie des mots. Ouais. Je pensais que c'était juste le Collège Sainte-Anne qui faisait ça. Non, ouais, il le faisait. Puis, après, dans les autres années, tu pouvais prendre d'autres cours de langue aussi. Tu sais, c'était vraiment une bonne école. Là. Mais non, je pense pas, pour répondre à ta question, je pense pas qu'il y a d'autres mondes... tu sais, mettons, qui ont marqué là, mon parcours scolaire au niveau des professeurs. J'étais plus vue comme, tu sais, comme une fouteuse de troubles, là, que les profs voulaient pas vraiment, comme... Puis quand t'étais à l'ITHQ, c'était comment? Ah, à l'ITHQ, c'est complètement différent. Là. J'étais comme première de classe. Toutes les profs m'aimaient full. Ben c'est indicateur que, OK, tu as trouvé quelque chose que tu aimais, c'était signifiant pour toi, c'était important pour toi, ça fait que comme
pour toi, là, ça faisait du sens, c'était logique, puis c'est sûr que tu as connecté avec la matière. Fait que, comme, c'est pas pour rien que des élèves aujourd'hui, comme, qui ragent quand ils regardent leur cahier de science ou de maths, parce qu'ils voient aucune connexion, puis ils comprennent pas, puis, tu sais, ils peuvent pas s'embarquer. Oui, il y a des élèves qui s'embarquent complètement en maths, en sciences, puis ils n'ont aucune passion pour le français. Mais j'imagine que t'as certains de tes fans qui sont jeunes, comme peut-être ados, ou peut-être que toi, t'en connais, soit dans ton entourage, ta famille, peu importe. Sachant le parcours que toi, t'as vécu, surtout le parcours unique que t'as vécu, puis là, je me souviens un peu des choses que tu m'avais dit dans le passé, quel conseil donnerais-tu aux jeunes, à ces jeunes-là qui peut-être vivre un parcours semblable au tien, quel conseil donnerais-tu peut-être que toi, t'aurais aimé entendre quand t'étais plus jeune? Je pense que la chose la plus importante, c'est de focusser sur dans quoi on est bon. Parce que je comprends qu'au secondaire, t'es obligé d'être bon dans tout pour passer. Mais c'est pas ça la réalité, c'est pas ça la vraie vie. Dans la vraie vie, on n'est pas bon dans toutes les matières, on n'a pas un intérêt dans toutes les matières. Fait que c'est vraiment de focusser sur les trucs dans lesquels on est bon, puis de s'encourager avec ça, de se dire, ben ça, j'aime ça. Les autres, ben j'ai pas le choix, ça aussi, c'est la vie, hein. Faut faire face à des affaires qui nous intéressent moins ou des choses avec lesquelles on est le moins bon. Mais vraiment de focusser, de mettre son focus pas sur les affaires qu'on aime pas, mais vraiment ceux qu'on aime, puis vraiment s'investir à fond dans ceux-là. Pas délaisser les autres, mais vraiment comme s'investir à fond là-dedans, même que ce soit l'art plastique, que ce soit le théâtre, que ce soit whatever. Il y a des jobs dans tous les milieux. Puis un autre conseil vraiment, vraiment important, c'est quand on est en grand questionnement sur qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, puis tout ça, je pense que l'important, c'est vraiment, j'avais entendu ça, j'avais lu quelque chose à un moment donné sur Facebook, là, c'était une niaiserie, mais ça m'a vraiment comme marqué, puis je trouve que ça fonctionne vraiment. C'est de se dire, si l'argent n'existait pas dans la vie, on passerait nos journées à faire quoi? Puis tu sais, il y a du monde que ça va être, ben moi, je passerais ma journée sur le divan avec Netflix, tu sais. Mais il y en a des... Non, mais c'est drôle, mais il y en a des jobs à trouver par rapport à ça, tu sais. Ouais. Ça peut être quelque chose dans le milieu du cinéma, ça peut être quelque chose dans le milieu de la télé, ça peut être quelque chose comme des reviews, tu sais, comme journalisme en review de... Tu sais, comme il y a comme plein de scénaristes. Tu sais, il y a comme plein d'affaires que tu peux faire avec ce que tu aimerais faire au naturel. Puis moi, au moment où j'ai décidé d'aller étudier en quelque chose, ben c'était vraiment la cuisine, tu sais. Fait que... C'est ça, je trouve ça plus intéressant comme vision que avec quoi je peux faire le plus de cash, je suis meilleure à quoi à l'école ou parce que at the end of the day, c'est vraiment l'affaire qui va te passionner, qui va faire que tu vas vraiment t'épanouir dans ton travail. Merci. Merci beaucoup. Mais là, de rien. Il y a eu. C'est ça. J'ai le droit de dire quoi, mettons, sur ta chaîne? C'était-tu des limites de... Ben, il y a... I'm not getting monetized. Not even slightly. I have 106 followers. I think 5 of them are my students, so... Mais y a-tu que... Je sais pas, y a-tu des affaires que tu voudrais pas que je dise ou que, genre, tu sais, que je parle, mettons, de drogue, de bataille, de... Sans être explicite, ouais. Tu peux raconter la réalité telle qu'elle est, parce que moi, je suis pas du genre à cacher la réalité, mais je suis polie, comme je m'en vais pas dans le cru. C'est pas un OnlyFans là, que j'ai. OnlyFans avec Madame Allery. On corrige les devoirs ensemble. On va bête. Non, 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 non.